Deuxième morceau, nous parlons d'éducation pour mon sœur qui a fait anniversaire aujourd'hui. Hein? C'est Anne-Marie, c'est Clifford, c'est Maria Paula, ainsi que nous, tout le monde qui fait du mois du 1er mai au 31 mai. Nous parlons d'éducation. Deuxième morceau pour vous, c'est Fais bon Dieu confiance. C'est bien sûr la voix de Mika Tanga. Yeah.
Ce jeu pour communauté pasteur en Afrique de l'Alvia et spécialement l'église chrétienne de la victoire. Ne veulent plus rien. Et vous avez vu ça, vous déjà connaissez combat en ministère de l'air. C'est émission qui l'a. Et un animateur de mission, ça c'est fait comme nous avons dit là avec vous. Nous l'avons avec vous cette année ce matin. Hein. Et après introduction, chaque prière possédant lui par ce miracle, nous allons dire tout de suite avec Pasteur Kepler du côté de la Floride qui va bien nous à la gloire de Dieu. Nous demandons ce miracle de rentrer en livre nous pour nous introduire, monsieur ça, à la gloire de Dieu. Parmi ces mesures, que je vous le courage de changer les choses que je bénis à travers la foi, nous nous confions en quoi? Yes. Bénis le courage de ministère. Et depuis ces jours, le bon Dieu fait pour nous, que pour nous, on suggère l'allégresse et le choix. Et nous dit, bonne fête à ce Maria Paul.
qui toujours saluer nous et notre nous du bon Dieu ajouter des jours à l'année encore. Amen. Nous pour aller œuvrer ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Il faut que moi, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Grand Dieu tout-puissant, le grand Dieu de l'univers, ma pierre n'a pas de langage d'expression pour moi, approcher devant vous. Avec mes petits bienfaits, pour combien nous, cher Seigneur Dieu. Vous t'es dormi avec nous, levé avec nous. C'est pas parce que bon Dieu nous fait rien qui bon, grand pile qui déjà dévoté nous. Et bien que la fille, et bien que levé ma terre désorientée. Mais nous-mêmes nous levons à tout bon sens. Nous exaltons grand nom béni au nom. Nous disons merci pour son et son fait et pour son continuer fait. Nous disons merci pour faire conventon, qu'on t'ait levé de très tôt, qui toujours disposé la minute ça pour capable de faire continuer rara la chère nature. La demande aussi que le grand favorable aussi, famille, petit. Fait grâce à lui-même, c'est là qu'on a besoin de plus que moi-même. Moi, je vous remercie pour Pasteur Georges, que mon Dieu d'amour utilisait avec Seigneur Sakobali pour être capable de remettre lui encore à lui-même. Pour être capable de Seigneur Jésus qui a fait travail. Seigneur Jésus qui a participé à travers les cœurs les plus durs. Maintenant, nous te remercions, cher Seigneur Dieu, pour famille, petit. Tant pis, cher Seigneur, nous connaissons bon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, papa. À moi, tu bénis, nous, cher Seigneur, parce que nous avons un monde qui baille pour nous, pour quitter le Seigneur Jésus, sans pour pas qu'il nous. Maintenant, nous te remercions, je vais lui engager. Nous te remercions, cher Seigneur Dieu, pour chaque serviteur qu'on mette à disposition pour bénir nous à travers la parole de Dieu. En l'occurrence, Seigneur Jésus, parce que c'est clair, pour famille, ni bon Dieu d'amour, bon Dieu, quand il est véritable, la main de nous toujours, Seigneur, servir avec lui, et toujours bénir pour nous, de façon incomparable, Seigneur. Nous te remercions pour Pasteur Gary qui de très loin, qui est toujours là pour Seigneur aider à travers l'émission. Et nous disons, Rabbi, madame, et nous demandons au cher Seigneur bénédiction, grâce pour famille. Nous demandons grâce pour chaque monde, mon Dieu, qui prie à travers l'émission. Chaque monde qui vient le tuer pour un témoignage matin, nous demandons, Rabbi, au cher Seigneur. Nous demandons à continuer de bénir la communauté à travers la parole. Nous demandons à notre cher Seigneur d'être avec nous, bénis-nous. Et nous connaissons présents sous qui déjà la émission. La continuer, Seigneur, bénis chaque cœur. Nous comptons sous fidélité ou sous promesse. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous disons merci à Samira pour. Introduction, prière de mon Dieu Père, de l'Esprit matin, que grâce et miséricorde, mon Dieu capable comme nous de prêts et bénédiction avec famille. Rappel mon Dieu avec vous. Amen. Nous continuons mission nous même qui branche ensemble avec nous, c'est à travers .5FM, à travers Internet, c'est www.radiovisionceleste.com, à travers audio, c'est 832-551-5012. Nous mettez-nous prêts en attendant l'arrivée du pasteur Kepler du côté de la Floride, qui pourra bénir nous à la gloire de Dieu. Préparez-vous, mettons belle nappe sous table, mettez couvert, songez, prenez une tasse, soit café, une verre d'eau, un jus d'orange, mettez prêts et piquez-vous. Et mon amour, on pas discuter et nous pas droit manger, on prend un petit bagage pour descendre avec un pire douceur dans l'estomac. Et c'est pour ça? Parce que bon Dieu a porté des choses à merveille pour vous. Là, vous ne faites pas ce qui plaît du côté de la Floride. S'il vous plaît, entrez pour nous. Small.
frère, bonjour. Et bon Dieu bénis, frère, vous m'entendez? Bon Dieu bénis, serviteur. Bah, vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit. Non, pasteur Kepler. Oh, pasteur Kepler. Ok. Bon, je vous en finis, martyr, non. Amenez. Amen. Pasteur Kepler est entré en ligne pour nous, s'il vous plaît. Pasteur Kepler, du côté de la Floride, est entré en ligne pour nous, s'il vous plaît. Bonjour, serviteur, comment est-ce? Mais avec Jésus, nous très bien, oui. Et même, oui. Vous merci pour Dieu, matin, pour présence sur ma station. Et même. Et matin, même si on animation à nul ou tout pareil. Et si vous êtes capable de continuer. Alléluia. Croyez-le bouger. Mm-hmm. Parce que le temps est à la pluie. Mm-hmm. Pas possible pour nous rester dehors. Et même. Tout le monde qui doit entrer. Dans la croix, puis nous entrer parce que bon, le barrière est pour le fermer. Amen. Donc nous avons du gloire matin de ce que le chrétien est sauvé. Il n'y a pas de l'autre espace, l'autre côté pour le réjouir. C'est dans la présence du maître. Amen. C'est là qu'il y a la vie, la grâce, la bénédiction et la promotion. Yes. Et matin, nous saluons tous bien aimés frères et sœurs qui ont écouté nous religieusement. Et nous avons profité de cette occasion pour nous saluer. Oh, à tous les confrères dans l'œuvre, que la grâce de Dieu est capable de vous porter pour vous aider à consacrer beaucoup plus, parce que c'est le moment côté que tout serviteur qui travaille à Dieu, il n'y a plus de temps pour Dieu. Amen. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Ça, c'est très important. Bon Dieu, pas de négocier. Mm-hmm. Quand on travaille dans Washington, c'est là où consacrer. Yes. Chaque monde consacré à portion. C'est ça. Donc, il y a un monde qui connaît que bon Dieu est pour travailler là. Bah, bon Dieu t'en. On est sous le Félix pour nous prendre tout. Que bon Dieu bénisse nous à terre. Nous allons retourner encore à notre texte. Dans Jean chapitre 10, le verset 10b, la dernière partie du verset 10. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Que bon Dieu n'a abondé, capable d'ajouter bénédiction et à parole ça pour édification d'âme chacun de nous. Amen. Seigneur, parlez. Et même écoutez-vous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous te montrer que pour nous jouir de la vie abondante, c'est surtout le monde qui accepte Christ comme sauveur personnel. Amen. Nous devons te dire une nouvelle vie qui est entrée dans nous-mêmes. Donc, vie, ça, c'est la vie du Christ. Par conséquent, nous te dit, pour nous capables de vivre de cette vie pleinement, nous te parler de la plénitude de la vie du Christ, le croyant. Yes. Et pour te comprendre cet adverbe, nous te situer dans le cadre de la lettre que l'apôtre Paul t'a adressée aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 2, verset 10. Yes. Et vous avez tout pleinement en lui. Oui. Bon Dieu, bah, en abondance. Eh oui. Et si on la vie de la mesquinerie, c'est que pas dans bon Dieu tout mauvais. Mm-hmm. Bon Dieu, pas bah, un yé à demi, c'est même l'esprit, il en abondance. Mm-hmm. Dans quel monde il pour rechercher la plénitude de l'apôtre Paul dit aux Colossiens, du verset 10, vous avez tout pleinement. Donc, il incombe, n'est-ce pas, aux croyants de rechercher la plénitude des grâces de Dieu. Donc, la vie abondante, nous te dit, il ne faut pas vivre de la mesquinerie. Et nous te considérons un texte que nous t'ai tiré de l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 et 38. À la fête des tabernacles, Jésus parlait, que si on soif, vine à moi-même la boîte, et parce qu'il y a des fleuves d'eau, vive, qui a coulé dans le sel. Ça, c'est très important de démonter ce texte, ça, l'image de la vie abondante.
car fleuve tout ça, les nourris plantes, qui tout beaucoup de libres, ça veut dire Jésus bat la vie en abondance. C'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la délivrance. Et nous prenons Adam comme exemple. Bon Dieu mettait à la disposition d'Adam dans le jardin d'Éden toutes sortes qu'on est comme on est capable de besoin. Adam va gagner et manquer dans le jardin. C'était l'image de la vie abondante. Mais on remarque que nous devons faire, dans le remarque là, c'est que ce que Dieu désire pour moi-même avec le capitaine de Matéon, c'est que nous-mêmes avec moi, c'est pour nous jouir de la vie abondante. Et c'est ça, mon Dieu veut, c'est le désir du cœur de Dieu. Matéon, pour moi, avec jouir de la vie abondante. Et désir ça que mon Dieu gagne, hein, les susciter deux grandes questions. La première question, qu'entend-on par la vie abondante? Ça veut dire, c'est quoi la vie abondante? Qu'est-ce qu'on entend par la vie abondante? N'est-ce pas? Nous allons tenter de répondre à la première question. Dans le domaine biblique, l'expression la vie abondante, l'idée au sens contraire par rapport à Jean dans le monde comprendre. La vie abondante, l'idée au sens contraire. La vie abondante, bien-aimés frères et sœurs capoutins, est une succession non interrompue de grâce. Voilà le sens de l'expression la vie abondante. La vie abondante est une succession non interrompue de grâce. Vous connaissez une succession non interrompue de grâce, ça veut dire si on va gagner cap couler, et bien les bénédictions cap couler, puis continuer à couler la
chapitre 4, bien-aimés frères et sœurs, ça part du verset 32 jusqu'au verset 37. Bon, la partie du chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37, c'est-à-dire la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Tout le monde qui était croyant, nous fous seuls. Même j'aime bien, on va gagner l'impression que nous tous fous seuls, nous vous seuls, qui ont seul âme. Oui, on dit impression, ça, oui. C'est impression vraie. Yes. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était couvert entre eux. Mais ça nous amène au verset 33, il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et dernier passage, c'est-à-dire, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ah, c'est très important, oui. La dièse grande ici veut dire surabondant. La dièse grande ici veut dire surabondant. D'après le verset 3, le verset 33 de Actes des Apôtres, chapitre 4, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc la dièse grande ici veut dire surabondant. On dirait une grâce surabondante. Quelle grâce ne vient parmi l'amour? Des grâces là que nous jeûnons parmi nous-mêmes, et des grâces que nous jeûnons parmi les croyants de la nouvelle église, l'église naissante, c'était l'amour. Yes. Faut nous guérir l'amour entre nous. Faut nous donner de l'autre pour nous apprendre à remercier mon Dieu, nous apprendre à échouer dans le Seigneur. Mais songez, ça a des problèmes pour nous apporter le secours. Songez, ça a des problèmes, faut nous quitter l'amour, rayer nos micro-nous. L'amour, l'Igoua, il faut que l'amour raye dans le cœur de tous les croyants de l'église primitive. L'amour est rayé. Ça, mais puisque l'amour était rayé, c'était le règne de l'amour, mais c'était aussi le règne de la grâce surabondante de Dieu. Yes. Monde qui possédait, je dépensais à monde qui m'a gagné. Et en réalité, l'homme lit de nature cupide. Maintenant, il y a monde qui vous paquette mes corps. Non, l'église qui servit. Mais faut nous pas payer, monsieur, qui a servi mon Dieu. Je ne suis pas pour tout le monde chercher. Nous pouvons pas prendre carrément le clou dans l'église. Jamais. Mais il y a des bagages, nous voulons essayer à comprendre, mais nous tous. Amen. Ah, c'est très important, oui, il est très simple.
est devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mm-hmm. Le Jean 10, verset 27, les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les grâces de Dieu, ou la Bible pour là, elle est conditionnelle. Dans le verset 4, le verbe suivre veut dire marcher sur les grâces de Jésus-Christ. Mm-hmm. Ah ouais, ici dans le verset 4, là, le verbe suivre veut dire marcher sur les grâces de Jésus-Christ. Mm-hmm. Tandis que dans le verset 27, le verbe suivre veut dire agir conformément à la voix entendue. Mm-hmm. Comprenez bien la lecture nous fait le chapitre 10, verset 4 et verset 27. Dans le verset 4, le verbe suivre veut dire marcher sur les traces de Jésus-Christ. Tandis que dans le verset 27, le verbe suivre veut dire agir conformément à la voix entendue. Donc pour jouir de la vie abondante, nous devons agir conformément aux enseignements de Jésus-Christ. Quel que soit mon enfant, vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons ouvrir les oreilles pour nous tendre la voix de Dieu. Et ça vient de tout Apocalypse, vous tendez. L'Esprit de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit de l'Église. Parce que c'est pour nous ouvrir les oreilles, nous. La Bible, son expression de la volonté de Dieu, la Bible doit être le guide du chrétien. Matthieu, c'est la Bible qui guide l'émission La foi en onde. La Matthieu, tout, émission compagnon de ministère, c'est la Bible qui est notre guide. Et comme remarque, comme t'as considéré le psaume 23. Mm-hmm. Comme remarque, vous t'as considéré le psaume 23. Yes. Et David, dans le psaume 23, frère Coventon, il a une description très riche de la vie abondante. Yes. Le psaume 23, c'est comme si sous ta campée psaume 23, il y a pour sujet le pèlerinage douloureux de la brebis à travers les vicissitudes de la vie de chaque jour. Sous la bouche, je vais t'amener à son 23, oui. Vous pouvez le prendre comme illustration, oui. C'est-à-dire, le pèlerinage douloureux de la brebis à travers les vicissitudes de la vie de chaque jour. La vie abondante. Ah, il parlait de la vie abondante. L'organe de son 23, il parlait de la vie abondante. Yes. Et maintenant, la vie abondante, quelle est une suprême exigence? Pour me terminer là, la vie abondante fait au même avec moi une suprême exigence. Quelle est de cette suprême exigence? Pour même avec moi jouir de la vie abondante en Jésus-Christ, nous devons nous soumettre à cette suprême exigence que nous fait cette expression la vie abondante. Maintenant, la question se pose, quelle est de cette suprême exigence que nous fait la vie abondante? Eh bien, suprême exigence ou même avec Matthieu, si nous voulons jouir pleinement de la vie abondante, l'Éternel doit être notre berger. Voilà. Voilà. Une réponse simple à une question simple. Ça, nous souhaitons qu'on ne pas oublier. Nous disons la vie abondante, là, c'est une exigence. Exigence ça. Qui exige ce que la vie abondante fait moins avec vous? Eh bien, la vie abondante exige ce que fait nous, font l'Éternel. Voilà l'exigence. T'aimes foutre camper la foi convaincante, ma brebre, c'est pas en pile cela, ma baille semaine prochaine. Ok, serviteur, merci. Vous comprenez? Mais moi, là sous question, okay. Et nous entrons exactement dans l'illustration sur le psaume 23. Dans le psaume 23, nous dirigeons au sujet, c'est pèlerinage douloureux, ça veut dire que les chrétiens sont pèlerins, ça marche nos douleurs, et à travers la difficulté de la vie de chaque jour. Yes. Et nous dit, la vie abondante, là, c'est nos exigences. Et qui exigence la vie abondante? Pour mon juif de la vie abondante matin, qui exigence que expression que Jésus qui est tombé derrière de Christ a fait où? Eh bien, matin, pour capable jouer de la vie abondante, faut que l'Éternel s'y berge. Donc, la semaine prochaine, nous pourrons faire un petit camping. Quel est le sens de l'expression l'Éternel est notre berger? Matin, même si tu as oublié toute bagaille, mais pas oublié. Yes. C'est répondre à première question. Yes. Nous t'ai parlé de la vie abondante qui s'alliait, pas oublier la bien-aimée. La vie abondante est une succession non interrompue de grâce. Ça veut dire, c'est grâce sur grâce qu'a tombé. Continuez. Ça, et désormais, comme jouir de la vie abondante. Pour capable jouir de la vie abondante, il faut que nous soumettons à la volonté de Dieu. Et troisième, qui exige la vie abondante chez nous, la vie abondante là, pour nous capables de jouir, pour l'Éternel, c'est bien aussi. Mes amis, parlez-vous de ça.
gain songer ça nous dit qui c'est la vie abondante non la vie abondante ça veut dire ou songer longtemps c'est quand planter l'on planter gain pour récolte qui fait en pile en pile grâce que mon Dieu bail dans la vie abondante et en succession on était au pied des grâces qui descend alléluia grâce sous grâce les amis pas oublier ça a très important, rester sur vous, rester dans l'esprit, l'esprit de méditation, et ma précieuse frère Conventon pour sa façon, où elle a fait pour prédicateur, toujours été dans l'esprit, les méditations que vous bénissez. Donc, bon Dieu, vous savez, nous passe. Et à la semaine prochaine, on merci, passons. Seigneur, l'expression l'éternel est notre berger. Bon Dieu, nous, frère Conventon. Passons bon qu'il y a avec famille, vous savez, et que grâce à vous, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la fin de la musique, et nous allons parler, il fait 8h45 et 19 secondes. Et nous allons parler, en fin de la musique, ça, et puis nous allons parler. Mais donc, nous allons parler. Radio Vision Céleste, pour nous lire, c'est le bon Dieu dans la communauté, pour nous vivre, pour nous recevoir, pour la grâce en abondant. Bonjour, c'est Françoise. Bon Dieu bénou. Bon Dieu bénou, tout ça, mon père. Nous disons bon Dieu, merci de nous lever. N'a pas toute la vie en abondance. Alléluia. Il dit, vous savez ce que tu la vie à la bonne de son guerre. Eh bien, oui. La femme dit, bon Dieu, merci de tout ça, fait pour moi, tout ça, la prochaine, fait pour moi. Eh bien. Ça, bon Dieu, fait pour moi, je ne vais pas vous parler, parce que la vie à la mort, dans toute famille. Eh bien, oui. Abonnez c'est François. Vous savez, les radio Vision Céleste. Nous serons vendus à toute madame, toute petite, pour vous dire, bon, santé. Eh bien. Parce que c'est vous-même chaque fois, c'est qu'à diminuer, vous mettez la vie, la bonne dans son enquête. Eh bien. Moi, je dis bon Dieu, merci pour ça, le fait, pour ça, la prochaine fois pour moi. La paix, bon Dieu, avec vous. On a tous ces bords, passons bonne journée dans le Seigneur. Merci à vous. Gardez la voix. Amen. Amen. Je te prends un slip, on va. Frère Conventon, pour dire nous comme ça, à nous parler, ça dit, n'a pas le parler, ça dit. Oui, by deux, parce que je suis sur le voile de message là. Regardez ça, Mabdou. Par en pile. Vous sortez des messages par ce qui plaît là, très bien. Est-ce que nous comprenons l'importance de ce message là, homme? Et chaque bagaille, il dit, là, où elle est rentrée dans l'exemple pays d'Haïti, ensemble avant, en tant que Haïtien. Et si nous regardons, l'évangile qu'a prêché là, pour que nous devons vivre dans le pays d'Haïti, nous sommes peuples en tant que Haïtiens, pas de problème de nous-mêmes, non. Et son peuple pour nous vivre, pour nous avoir bien, pour nous vivre ensemble. Est-ce qu'on peut dire? Faut pas dire rancune de nous-mêmes. Quel est l'évangile l'amour qu'a partagé là ou même? L'amour mondial à nous-mêmes, nous avons nous être comprendre. Pour que ça nous va pas mettre tête nous ensemble, et puis pour nous vivre avec ça nous, et puis tête collée l'amour partagé, et puis nous vivre bien, on pas besoin de millions pour vivre. Nous devons vivre par exemple en dehors ou même longtemps, comment on a fait manger, on n'a pas de pavot et plat manger par l'autre, on n'a pas mangé ensemble. Ou goutte non poche, ou goutte là c'est pour moi-même, avec Frère Conventon pour lui. Je ne vais pas faire un goutte pour lui, pour ne pas faire Frère Conventon, ni parce qu'il plaît nous-mêmes. C'est comme ça nous devons, nous pas des millions, mais nous devons vivre en dehors. Oui, nous devons vivre. Le monde est établi, c'est vrai, nous devons vivre. Qui pour enseigner, pour mettre nous en direction
côté où tu allais, qui côté l'amour, pour qu'on vous prenez la voie de vous-même, pour recevoir une vie en abondance. Et lorsque vous regardez, m'a dit bien, parce que personne ne fait vous aller avec les gens qui sont bon, on vous êtes touché pour ça. De l'autre côté pour venir prêcher l'évangile pour nous. C'est de la vie pour nous parler, on va parler à vous matin. Tenez bien. Lorsque nous gagnons des étrangers qui sortent de notre côté, qui portent une nouvelle parole pour nous, nous accepter, nous recevoir parce que nous avons un mot tout neuf que nous ne sommes pas contentés. Et bien le monde qui a parlé, ça qu'il a dit jusqu'à présent, lui-même, dans lui-même, il faut que les gens comprennent ce qu'il a parlé, il n'a pas metté dans la ville pour qu'il puisse faire effet dans lui-même. Et c'est pour cela que lorsque nous avons des orateurs qui parlent, des pasteurs, des prédicateurs qui sont partout et ailleurs, qui viennent enseigner à travers Radio Vision Céleste, qui modifient le peuple, qui instruisent, est-ce qu'on comprend? Ça permet que parmi eux, il y a qui déjà attrapé l'amour, qui gagne, qui porte la vie en abondance dans eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas tant de moi, ils viennent accepter. Mais on ne peut pas jouer tout le monde. On ne peut pas connaître qui est dans eux, qui recevra la parole là, mais qui est, mais qui t'aime bien tomber, qui le fait et fait, parce que c'est à partir des ouvertures que mon affaire dans le langage, le comportement, le joli acte, parce qu'on peut même pour ne pas récupérer que ça se met à recevoir et il produit la taille. Est-ce qu'on peut même, dans ce cas, nous obliger à rester sous titre de parole, ça nous concerne, nous accepter et puis nous permettre en pratique et puis pour nous capables de produire des vies. Frère Convendon, d'accord, il faut dire là, je te m'explique qu'on va être très bien. En tant que haïtien, nous tous, nous sommes petits mondes, nous sommes grands mondes. Mm-hmm. Mais c'est parce que nous marchons à suivre. Parce que, moi-même avec nous-mêmes, nous ne sommes pas plus bons personne, non? Mais parce que nous-mêmes, nous devons bagarrer, nous devons garder. Si nous ne sommes pas formés bien, nous ne sommes pas capables de venir communiquer avec tout le monde, venir partager l'amour mondial pour tout le monde qui a pris conscience. Mais on connaît le plus souvent, grand pile bon monde. Mais bon, nous ne sommes pas capables de parce que parmi nous, nous tous, quand pile là de là, quand pile bon passé, quand pile bon monde. Mais quand ça tout, quand pile là de qui faut filer, qui filtre en amitant nous, et puis qui fait mauvais ça, oui, vous, l'on est mon abo la prière, tout en confession, et pour être que mon nom se parle de nous. Et nous dit mal à même bac. Les pasteurs, donc là de là, l'on est ma parlé, frère, pour nous, nous sommes là, on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Où est le propre, si vous avez caractère mon monde, et puis pour où est mon nom, mon nom son vie perdue parmi nous. Ok, Marc, une minute. Il bien du tout, et puis là, il quitte là, il emmène nous. Marc, une minute, ok? Marc, Dieu va l'allumer. Est-ce qu'on te reconnaît, mais? Je ne sais pas si vous avez parlé là, mais les sociaux, je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Son question que je me pose, vous ne pouvez pas reconnaître, mais regardez. Et je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Je ne sais pas si vous avez parlé avec vous. Mais vous avez parlé avec vous. Sous, dans conduite, est-ce qu'on veut? Ya. Ou capable de tolérer,
en marchant, si on n'a pas conscience ce Canada, changer vision des points, on va changer. Parce que bon Dieu, il a pour changer tout le monde, mais n'est pas si conscience qu'on y avait pour vivre que conscience. Est-ce que vous avez là? D'accord. Dans ce cas, allons être comme ça, allons prier bon Dieu, allons recevoir. Ça a venu de nous-mêmes et puis changement qu'on fait dans nous-mêmes, si notre mariage est bas, il gagne. Est-ce qu'on veut? Mais en nous, c'est vrai. Même pour qu'on vienne dans le coin, moi, nous, toutes sont seuls, nous, l'évangile a prêché tout le coup. Ok, ben. La défini, la nous, Dieu, c'est. Yes, là, tout le monde. Lino, oui, je vous parle avec toi. La paix, mon Dieu, bonne journée. Ok, là, c'est moi, je vais aller, Seigneur. Amen. Comment le ministère? Il sortit de la foi, nous, le petit combat de ministère.